Il faut dire que nos sociétés sont devenues beaucoup plus riches, qu'elles ont pu mettre en place, les sociétés du Nord ont pu mettre en place dans une certaine mesure des filets de sécurité, comme on dirait, c'est-à-dire revenu minimum d'insertion pour la France, indemnité de chômage, qui fait que les mécontents, parce qu'il y en a quand même, hein, et le mécontentement peut être relativement contenu pour l'instant et relativement limité dans une espèce d'euphorie qui passe aussi par ce qu'on pourrait appeler la colonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire à travers la publicité, la propagande, la télévision, les médias, l'air du temps. Il y a une espèce d'euphorie hein, qui diffuse au fond ce que j'appellerais le condensé de ce mythe occidental, c'est un peu le rêve américain, c'est-à-dire tout le monde a sa chance, tout le monde peut gagner. Bon, bien sûr, il y a des évolutions douloureuses, il y a des perdants, il y a des gens qui sont au chômage, etc. Mais d'abord, c'est un peu de leur faute, et puis c'est provisoire, et puis demain, ça ira beaucoup mieux. Et donc, au prix, il faut bien le dire quand même que le prix de tout ça, c'est le sacrifice de toute une partie de la planète, donc on ne parle pas. Mais dans les pays du Nord, je dirais que le système fonctionne très bien dans sa capacité à neutraliser les oppositions, à limiter les dysfonctionnements. In Haiti, we have had quite a few dysfunctions. The last one stayed in power for 30 years. Le président va toujours prendre ses responsabilités. Oui. Il va être un homme dans toute l'acception du terme. Oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. The billionaire and the tyrant, capital and power, supposedly fighting international communism. Bilateral cooperation has its own demands. The son of the dictator would claim that his father had created a political revolution. Now he would make an economic one, which basically came down to accepting in our country what was no longer profitable elsewhere. The same bathrobe, made by the same hands, will be sold under different brand names in New York department stores. It's all in the marketing. Seen from Porta Pimon, the tourists aren't even laughing anymore at the Pearl of the Caribbean. They deregulated everything, canceling out 50 years of trade union struggle. Just a dab of Barexo waterless hand cleaner. We are all suffering from Alzheimer's. Any kind. Real convenient. Real convenient. New Barexo waterless hand Quelle place qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous offre, en fait? On nous offre de travailler pour envoyer à l'extérieur ce que nous avons de meilleur en termes de qualité, et maintenant, de recevoir en échange tout ce qui n'est pas bon et qui est incompatible avec les conditions normales pour une vie. C'est ça, la situation, en fait. Parce que quand vous exportez, on vous donne des normes de qualité tellement importantes que vous offrez ce que vous avez de meilleur. Non-biodegradable plastic has invaded the beaches of the Caribbean paradise. All because a free market industrialist thought that cheap plastic would mean cheap consumption.
A Haitian capitalist is a capitalist like any other. We come out here. We don't have a lot of money. We don't make a whole lot of money. We come out here, we make enough so that we can pay our bills, pay for the truck. And we feed people. We help clothe people. This is our way to show our appreciation to the Creator, that thank you for allowing us to go in a direction that helped us. And to show you how we really appreciate it, we're going to do it for other people. We're going to help other people. Right now, we're at a stage where we're able to feed people or buy clothes for people. Every company, Coca-Cola does his own thing, as well as Pepsi-Cola. So Pepsi is not going to buy Coca-Cola. Coca-Cola is not going to buy Pepsi. So each company have to be separated by that company. They have to get it exactly the way it needs to be. How they gave it to us is exactly how we have to give it to them. This neighborhood, we get mainly Coca-Cola, Pepsi, Canada Dry, which is popular and a little bit more expensive, which is a little bit better tasting, as opposed to getting Tropical Fantasy, which is only 50 cents. Most of the people that drink Tropical Fantasy are people that's living out here in the street, or people that's on public assistance. You know, me, myself, I got a little bit of money, but I'm still spending 50 cents. Whereas you have some that would prefer to have the Coca-Cola for that dollar or that 89 cents or whatever. Me, I'm going to save my money. Because basically it all tastes the same to some degree. Donc est née l'idée de la loi de l'offre et de la demande, l'idée que tout est mercantilisable, que tout est mercantilisable, que tout peut être soumis à la loi de l'offre et de la demande, l'idée que tout a un prix, y compris le génome, y compris l'air, y compris l'eau, tout ce qui existe sur cette terre peut être doté d'un prix et d'un marché. Donc l'idée que le marché, comme Dieu, est ubiquitaire, qu'il est partout, ça c'est l'économie politique qui l'a construit, et les économistes, qui sont les inlassables propagandistes de la notion de marché. Donc l'idée que le marché est régulateur, que le marché doit s'auto-réguler, que tout doit passer par le marché, que la question de la pollution sera résolue si vous laissez la pollution au marché. Surtout, n'intervenez pas. Laissez faire, laissez passer, disaient les classiques anglais. N'intervenez jamais, laissez le marché résoudre les déséquilibres. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'histoire montre que c'est le contraire. Que tout marché qu'on crée, que ce soit le marché des voitures, le marché du pétrole, le marché des poissons, le marché, etc., qui est laissé à lui-même, conduit à la ruine et au déséquilibre. C'est toujours par des interventions extérieures, qui sont des interventions publiques, des interventions sociales, que les marchés sont régulés et peuvent continuer, cas en cas, leur petit bonhomme de chemin. Faire croire que le marché est fait pour satisfaire les besoins humains, ça n'est pas vrai.
Le marché est fait pour satisfaire la demande. La demande, c'est-à-dire le besoin solvable. Ce qui veut dire que les gens qui ont des besoins de frivolité, mais les moyens de les satisfaire le peuvent, pendant que ceux qui n'ont pas les moyens minimums ne pourront pas satisfaire leurs besoins fondamentaux. Nous venons acheter 15 000 contre 20 000. Economy entertainment, advertising worship, happenings, marketing. The desire to display fame, power, and wealth. Old money retained a scrap of modesty. Today's clean money wants prime time. The more virtual the profit, the greater the need to prove one's own existence. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Eh bien, les hommes modernes ont un marteau dans la tête qui est l'économie. Ils voient tous les problèmes sous l'aspect économique. Et tous les problèmes deviennent de ce fait des problèmes économiques. Alors qu'il suffit de se reporter quelques siècles en arrière ou dans des sociétés extra-occidentales pour s'apercevoir que les gens ne se voyaient pas du tout leur réalité comme économique. Dans une grande tempête que nous sommes précipités. Nos bateaux tanguent, ils prennent l'eau, ils menacent de couler. Et savez-vous ce qui me semble le plus inquiétant dans une telle situation? C'est que, si j'ai bien compris, nos gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, je dis bien de gauche ou de droite, ne savent plus comment piloter. En pleine tempête, les commandes ne répondent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? I come from a country whose history is a burden. I come from a country where those in power know no other way than to steal elections on a regular basis. I come from a country where intellectual discussion has become a luxury. As in the old days of the dictatorship, the regime knows only one model. The same one for decades. The profit or death. Talk about a fair choice. History transpires in violence because those in power, speaking in the name of an imaginary nation, will not admit they are wrong. The profit or death, they cry. What if it's always death? With or without a prophet. C'est deux choses différentes. Surtout dans le pays où nous vivons, dans le contexte actuel. Vie et bonheur, c'est deux choses différentes. Le bonheur, c'est quelque chose de plus que la vie. Dans le milieu qu'on vit. Si
tu veux, en Haïti, dans un pays du tiers-monde. La vie, c'est vivre décemment. Manger, boire, se vestir, c'est le respect de soi-même. C'est le minimum. C'est-à-dire que le bonheur, c'est un surplus. Okay. Plus grand que la vie. Qui la vie grande. Si tu veux aller au fait, tu es estimé, tu vas changer. Bah, bon, bon. J'aime Haïti, j'aime mon pays. Et je n'ai vraiment pas peur. Je dois lutter, je sens que enfin, j'ai des raisons de rester en Haïti. Il faut que j'aide. Ma vocation, c'est aider les autres. Je ne peux pas partir. Et pour cette raison, j'ai confiance et je dois rester. Et je n'aurai jamais peur. Figures no longer mean anything, neither do words for that matter, nor images. In a capitalist society, human relationships are merchandise relationships. 40,000 children die every day in the world. Intolerable thought. No, figures no longer mean anything. The poorest countries have already reimbursed over 4 times the sum of an endless debt. 40,000 children every day. One passerby every 2 seconds. Dominant thinking no longer needs to hide. The state and its political authorities have turned their direct hold on the media over to the big financial corporations. The madness of the decontrolled media brings us the images we see without any comment as we eat our supper. What will our children remember? Men murdering another man. Who will understand the link between diamonds sold in Antwerp and weapons sold at the arms fair? We think about it, then we forget. Alzheimer's again. One day we must talk about the totalitarianism of capital. Thank you.
vrai que le capitalisme paraît triomphant. J'ai bien dit paraît triomphant, mais en particulier dans des pays comme Haïti, est-ce qu'on peut envisager un capitalisme triomphant? Triompher de quoi? Parce que le capitalisme s'est dit triomphant parce qu'il a résolu au moins la misère de l'Occident. C'est ça aussi son triomphe. Mais au détriment des autres. Comment on en Haïti où c'est le lot quotidien, c'est la misère, comment peut-on parler de capitalisme triomphant? Ça n'a aucun sens en Haïti. Ce qu'on constate en Haïti, c'est une inégalité criante entre une majorité qui n'a rien et un petit groupe qui possède. Où est-il ce triomphe? The power of the system is that it lets you think you are free and equal citizens. If you're against growth, you must be pro-gulag. At the end of the day, exhausted workers change into their consumer coats. Sitting in front of the TV, they postpone the revolution until later. Struggle does exist. We didn't dream the whole thing up, did we? Can anyone explain how an employer can legally fire 7,500 workers and yet keep his millions in stock options? If you're against the free market economy, then you must be pro-gulag. Capital has also won the rhetorical battle. Je peux vouloir. Je ne peux pas prévoir. Hein? Ça, c'est important à en faire la distinction. Hein? Hein? Il faut lutter dans l'incertitude. La plus grande erreur de tous ceux qui étaient contre le système capitaliste pendant 200 ans a été de lutter dans la certitude de l'histoire, comme si l'histoire les assurait l'avenir. L'histoire n'assure rien. Nous, nous assurons l'avenir. Mais nous, c'est tout le monde. Et tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors donc, il faut penser, il faut analyser et il faut lutter. Cette lutte de classe, précisément, elle se produit au sein d'une société. Et par conséquent, avant même qu'il y ait lutte de classe, il y a fait social. Et donc, il y a quelque chose qui fait tenir ensemble les différentes classes, même si ces classes sont antagoniques. Et ce quelque chose, c'est l'imaginaire social partagé. Et à l'heure actuelle, cet imaginaire social, c'est tout simplement l'imaginaire marchand, l'imaginaire économique, qui est partagé, y compris par ses victimes, si on peut parler de victimes, c'est-à-dire par les prolétaires, entre guillemets, qui ont eux aussi le marteau économique dans la tête, hein, si bien que, comme on dit, l'adversaire, bien sûr, c'est le capitalisme, c'est la firme transnationale, mais l'adversaire, c'est aussi nous, il est dans nos têtes. Donc, et là, il est beaucoup plus difficile à déloger parce qu'il est beaucoup plus caché. From Porta Pimon, the discussion can no longer be the same. Images can no longer mean quite the same thing. Memories of public humiliation leave you with contradictory feelings.
Si je comprends bien, vous parlez au nom de qui, là? Je parle au nom de... Lost war of words has rendered all discussion futile. Mais moi, je n'aborderai pas la question comme vous, parce que c'est un échappatoire. Et tous, vous avez la même attitude. Les candidats des autres partis, les médias, vous avez le même comportement. Vous voulez une élection présidentielle, allez, vous ne... Vous permettez, hein? Vous Comment ne vous voulez pas, oui, oui. Vous oui, oui, vous ne voulez pas du changement. If I look at the world, and I, then I'm scared of the future part, because it doesn't look very bright in my point of view. So then I'm scared. But in another way, I'm not so scared, because dying isn't a very big problem for me. I try to be here right now, and what happens after that, I can't really do anything about. L'homme, quelque part, vit sa vie dans une dimension trop réduite. C'est cette période entre la naissance et la mort. C'est comme ça qu'on comprend la vie sur la Terre. Et chaque homme vit sa vie de cette manière-là. On ne regarde pas ce qui est passé, on ne regarde pas ce qui va venir suffisamment, on regarde sa petite vie. Et toutes ces décisions-là concernent justement ce que vous dites là, celui qui a 2,02 milliards et qui cherche à avoir 2,03 milliards n'hésitera pas à prendre une décision catastrophique. Parce que son point 3 là qu'il cherche concerne sa petite vie, là, ponctuelle. Why should we continue to create images anyway? As a memento of lost battle? To leave something behind? For what future? Our master soul, he worked from morn till night. Who the hell are we? Never given human right. How can you express the experience of a lifetime? Show a generation's failures? How can you narrate an irreversible history? What words, what images, to say for once something different? We have tried everything. Filmed everything, explained everything, yet the world has hardly changed. We have fought all the battles, unearthed our heroes, interrogated the hangmen, confronted the powerful, yet the world hasn't changed. We're mindful of the concerns expressed by the developing countries and of the political and economic difficulties which many of them face. In our discussion of each of the issues before us, we have recognized the economic interdependence of the industrialized and developing countries. We reaffirm our willingness to conduct our relations with them in a spirit of goodwill. C'est un minet sans toi. J'ai gagné en 1996. Marie en 1937, il était marié en 1938. Il était pas menti. J'ai quitté ses 8 ans de piche. Il avait. Des fois, je dis peut-être que les gens qui se déchirent, qui sont mécontents, c'est parce qu'ils n'ont pas. Ils n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Ils n'arrivent pas à trouver ce qu'il leur faut. Alors là, ils deviennent méchants. Et la vie, elle est lâche.
drôle. Et parfois, pas comprendre, mais quand même, on la donne. On vivre. No problem. Give me five. Seen from Port de Piedmont, the world could be so simple. What will they remember when it's time to remember? When memory is all that will remain. Films that make the heart beat faster, said Chris Marker. The collective memory of battles that were not always ours. So much wasted talent, scattered memory, complex memory, so much commitment for so little. Yet some images stick in your mind, rare moments of truth, so many battles for a few seconds of clarity. Just enough time to glimpse another horizon through the window. The wretched of the earth are not necessarily the best architects of their own happiness. Yet, seen from Port de Piedmont, this world hasn't changed a bit. Here, the dictator simply killed the so-called communists. Tropical gulag. There was a time when the battle was clearer, simpler. There were good guys and bad guys. Everyone had his place in the revolutionary scheme of things. Ultimately, the wall suited everyone. Seen from Port de Piedmont, choices will be simpler, if there are any. Many more cars will be burned in Jakarta. Supermarkets in Rio will be carefully looted. And people will always continue to defy shopkeepers' bullets in Los Angeles, while capital searches for another name, or perhaps a new form. Faut-il laisser libre cours à l'action individuelle en tant que telle, la liberté individuelle? Quelles sont ses limites réelles? Je pense que c'est une question qui a été au cœur du socialisme en tant que tel. C'est quoi l'individu? C'est quoi le collectif? Parce que poser le problème de la planète, c'est poser le problème du collectif. Face à des groupes, face à des individus. Parce que qui prennent les décisions, ce sont des groupes et des individus. Alors, est-ce qu'on peut construire un collectif Terre? Comment ce collectif Terre, comment l'articuler? Est-ce que le projet des Nations Unies était cela? Ne faut-il pas repenser ce projet des Nations Unies? Le capitalisme n'est ni inévitable, ni bon en soi. Mais c'est sûrement pas inévitable. Ça n'a été jamais eu inévitable et ça ne va pas durer pour l'éternité. On peut créer d'autres systèmes qui sont meilleurs. Hein? Ça ne serait pas facile, c'est pas automatique, l'histoire ne nous le garantit pas, mais on peut le faire, hein? Ça c'est une chose, il faut se mettre à la tâche.
so choices will be simpler, seen from Port-au-Piedmont. You probably already guessed all this. But meanwhile, who will stop the so-called decision makers? The barbarity of the free market is colorless and homeless, and the price of peace is high. They tell us that violence doesn't lead anywhere, but how can we be sure? Why make films? Perhaps because we don't know better. Because it's more respectable than burning cars. Capital has won. For how long? Ultimately, we'd be satisfied with very little. All we ask is a bit of happiness, some sort of hope for the future. We're also asking you not to destroy the planet, and to stop repeating that growth brings progress, or that progress leads to growth. We're asking you not to make war in our names, and not to speak for us. I come from a country that technically doesn't exist. Like two-thirds of the planet, we have been sold for a handful of dollars. Capital is one. For more information on this program, visit our website at worldlinktv.com.